L'École d'éducation internationale est une école entièrement dédiée au programme international. Un peu plus de 1200 élèves sont arrivés ce matin en provenance de tout le territoire du Centre des services des Patriotes. Les élèves viennent de rejoindre leur premier cours de la journée. Ils en auront quatre. Quatre périodes de 75 minutes. Deux le matin et deux l'après-midi. Je vous emmène découvrir cette école singulière. Vous êtes prêts? Allons-y, c'est parti. Entrons dans ce cours d'histoire. On se croirait à Versailles. Allons faire un tour dans les laboratoires de sciences. Les travaux pratiques permettent de consolider les acquis théoriques. Ici, à l'École d'éducation internationale, l'élève apprend à apprendre. On cultive sa curiosité. Le programme international a pour but de développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible dans un environnement où la collaboration, l'équilibre et le respect sont les valeurs mises de l'avant par tout le personnel de l'école. Les élèves peuvent choisir parmi trois options artistiques. L'étude et la pratique des arts ouvrent la voie au monde de la sensibilité, de la subjectivité et de la créativité. Elles permettent de découvrir et de construire la signification des choses à partir des sens et de la communiquer par des productions artistiques. En musique, l'élève sera amené à inventer, interpréter et apprécier des œuvres musicales variées. Les arts plastiques permettent de développer le potentiel créateur de l'élève et ses habiletés à symboliser, à exprimer et à communiquer par le biais de ses créations. Et l'art dramatique permet à l'élève de se mettre en scène à travers des personnages, des histoires, et d'utiliser l'imaginaire pour exprimer une réalité socioculturelle. Des élèves sont justement en pleine répétition. Donc, l'intention, cher élève, c'est très important. Dans une pièce, quand un acteur dit devant tout le public « j'ai faim », eh bien, si c'est bien dit, bien livré, avec la bonne intention, tout le monde dans la salle va avoir envie d'y payer un dollar. À l'École d'éducation internationale, les langues ont leur place. Outre le français, bien sûr, les élèves ont des cours d'anglais afin de développer des compétences linguistiques écrites et orales indéniables. Ils apprennent également une troisième langue, l'espagnol. Barbara Villanueva. ¿Qué te gusta? Me gusta el chocolate. ¿Y tú? Me gusta... Dis-moi, que penses-tu de l'École d'éducation internationale? Oh, es phénoménal. Me gusta mucho. Un esprit sain dans un corps sain. Le sport est important à l'école. Il y a de grands terrains extérieurs en plus des gymnases. Si tu es du type sportif, tu ne seras pas en reste à l'École d'éducation internationale. Tu auras le choix parmi une grande variété de sports et plus d'une vingtaine d'équipes qui savent s'imposer dans le sport interscolaire, à en croire les nombreuses bannières accrochées au mur du gymnase. Five, six, seven,
Maintenant, je vous emmène voir la bibliothèque et ensuite, les services complémentaires. C'est parti. C'est calme ici. Allons rencontrer la bibliothécaire. Bonjour, je suis Geneviève Morin, bibliothécaire. Quand tu viendras à la bibliothèque, tu découvriras un milieu chaleureux propice aux apprentissages et à la lecture. Tu auras accès à de nombreux postes informatiques, à des cubicules pour le travail individuel, ainsi qu'à 6 salles pour le travail d'équipe. Tu auras accès également à une très grande collection de documents, variés et de qualité. Nous avons des romans, des bandes dessinées, des mangas, des revues et des documentaires. La collection est développée en fonction du programme d'études et des intérêts de lecture des élèves. Alors, tu pourras les consulter sur place ou les emprunter pour tes travaux de recherche, pour assouvir ta soif de curiosité ou encore pour le plaisir de lire. C'est vraiment un lieu très, très agréable. Merci beaucoup, Geneviève. À bientôt. Merci, à bientôt. Je m'appelle Mélissa, je suis technicienne en loisirs et mon rôle ici à l'école, c'est d'offrir une grande variété d'activités différentes pour que tu sois capable d'en choisir au moins une que tu aimes. Parce que je le dis toujours, pratiquer une activité, c'est la façon la plus efficace de te faire des amis. À bientôt! À l'École internationale, on a le service de psychologie, de psychoéducation et d'éducation spécialisée. On se concentre pour votre bien-être. Bonjour, moi c'est Corinne Desgagnés, je suis conseillère d'orientation. Durant ton passage au secondaire, je vais être là pour t'accompagner dans tes choix et pour te guider à travers ceux-ci, à travers tes projets pour ta future carrière. Alors, je vais être là pour t'aider à donner du sens à tes études. Alors, ça me fait plaisir de te rencontrer. Bye! Les arts de la scène occupent une grande place à l'école. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Secondaire en spectacle! Secondaire en spectacle, vous allez voir, c'est un spectacle rempli de talents éblouissants. On a du chant, de la danse, du piano et bien plus encore. Je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. Vraiment, secondaire en spectacle, c'est quelque chose d'extraordinaire comme expérience. Et toi aussi à la maison, tu vas avoir plein d'occasions pour pratiquer tes passions comme le chant, la danse, le théâtre, l'improvisation. Vraiment, on t'attend. Viens prendre ta place. Ose l'aventure.